Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul action. Et bah écoutez, on commence tout de suite. Il y a beaucoup d'articles de déco parce qu'en ce moment, je cherche à refaire la chambre. Je vais faire la chambre de ma fille. Donc voilà, je suis allée chez Action. J'ai trouvé pas mal d'articles. Bon, il y a encore des choses qui manquent, hein, bien sûr. Mais bon, je vais déjà partager avec vous ce que j'ai pris. Premier article, c'est cet abat-jour qui m'a coûté 3,98 €. J'aime beaucoup la forme rectangulaire comme ça, c'est vraiment mignon. Donc voilà, je l'ai pris en blanc hein, tout simplement. Voilà, 3,98 €, pourquoi pas. Donc ensuite, j'ai pris cette lampe de table, voilà, pied, hein, qui se présente comme ceci. Franchement, j'ai beaucoup aimé en acrylique comme ça, c'est vraiment joli. Donc du coup, j'ai pris ça pour déposer. Voilà, ça va donner ça sur sa table de chevet. Je sais pas si vous allez tout voir, peut-être me reculer un peu. Voilà, ça va vraiment être joli. J'ai trouvé ça sympa. Ça va lui faire une chambre assez voilà, grande fille. Hein. Maintenant, elle aura 14 ans. Donc, il faut commencer à se mettre dans le style des ados, on va dire. Non, mais franchement, voilà, c'est super joli. Et cette lampe, elle m'a coûté, je sais pas si je vous l'ai dit, ça m'a coûté 8,95 €. Mais bon, c'est super joli. Franchement, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai pris un pot à provision. Hein, ils appellent ça comme ça, en forme d'ananas, qui se présente comme ceci. Donc, toujours pour sa chambre, il m'a coûté 99 centimes. Franchement, j'aime énormément. Donc ça, elle va le poser sur sa table de nuit, à côté de sa lampe de chevet. Franchement, voilà, ça fait vraiment l'affaire. J'ai trouvé vraiment joli. Pour 99 centimes, je me suis dit, ça vaut le coup. Ensuite, j'ai pris des masques pour les pieds qui se présentent comme ceci. Donc ces masques, bah, j'en ai pris deux. Il n'en restait plus que deux. Ces masques, ils m'ont coûté... je cherche. Hein. Oh là 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 là. Voilà, masque pied, coco et avocat. Hein. Donc c'est marqué là. Ils sont à base de coco et avocat, la vitamine et à la vitamine E. Ils m'ont coûté 84 centimes l'unité. Franchement, je me suis dit pourquoi pas essayer. J'ai pris un gel pour les sourcils qui se présente comme ceci. Donc celui-là, il est transparent. Il m'a coûté 99 centimes. Et en regardant, j'ai trouvé un autre donc de la couleur marron qui se présente comme ceci. Pareil, 99 centimes. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et en plus, je n'ai jamais testé des gels comme ça pour les sourcils. Donc why not. J'ai pris... Alors, c'est du bio, c'est du 100% organique. Ce sont des graines de chia avec des graines de sésame. 500 grammes qui se présentent comme ceci. Ceux-là, par contre, je ne sais plus. Bref, si je retrouve la facture, je vous mettrai le prix parce que je pense que ce n'est pas la même facture parce que je suis allée deux fois chez Action. Hein, parce qu'en une fois, ce n'est pas souvent qu'en une fois, on trouve tout ce dont on a besoin. Donc voilà, je me suis dit, why not? Toujours pour la chambre de ma fille, j'ai trouvé des décorations strass qui se présentent comme ceci. Franchement, décoration murale. Donc en fait, ces deux décorations là, je les mettrai sur la tête de, au-dessus de la tête de son lit. Voilà, j'ai trouvé vraiment sympa et ça ira bien avec bah, les articles, les autres articles que j'ai achetés. C'était à 3,99 € l'unité. Franchement, voilà. À la place, au lieu de mettre des photos, des cadres, des trucs comme ça, je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, j'ai trouvé un plaid qui se présente comme ceci. Donc ce plaid, il m'a coûté, je ne sais plus parce que j'ai pas les mêmes tickets. J'étais allée deux fois chez Action, donc voilà. Mais bon, ça se présente comme ceci. Si je retrouve l'autre facture, je vous mettrai les prix. Hein. Voilà, c'est vraiment joli. J'ai beaucoup aimé les motifs comme ça. Ça fait vraiment joli. En plus, c'est tout, tout doux. Avec l'hiver qui va arriver, on en aura vraiment, mais vraiment besoin. Ensuite, j'ai trouvé... Ça, c'est de la nourriture. Hein. Je les prends comme ils viennent. Vous connaissez déjà. Mister Noodles qui se présente comme ceci. Du coup, j'en ai pris deux, un au bœuf et un au poulet. Ils sont à 49 centimes, hein, si j'ai bonne mémoire. Ils étaient plastifiés, mais j'ai mangé, j'avais trop faim.
Donc je les ai mangés et c'est super bon, nickel. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc pour 49 centimes, ça nous fait un bon petit repas. Ce sont des nouilles chinoises. Donc ensuite, j'ai trouvé un lustre qui se présente comme ceci. Pourquoi ça ne sort pas de là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah d'accord, non, maintenant c'est bon. Je vais l'enlever pour vous faire voir. Voilà, il se présente comme ceci. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Très, mais très, très joli. Franchement, je pense qu'elle aura une superbe, belle chambre. Voilà, avec des perles. Voilà, c'est un abat-jour, un lustre abat-jour. Et ça m'a coûté 9,95 €. Pour la décoration de Noël, et oui, on prépare déjà les fêtes de fin d'année. J'ai trouvé des boules qui se présentent comme ceci. Alors, j'espère que ça marche encore. Bon, celui-là, celle-là, ça ne marche plus. Donc, en fait, ça change de couleur. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir quelque chose. Donc là, on a du vert. Voilà, ça change de couleur. C'est vraiment joli. Donc, pour mon petit village de Noël, je me suis dit, why not? Et ça m'a coûté, je ne sais plus. Ah si, c'est la même facture. En principe, je devrais retrouver le prix. Ah oui, voilà. Boule neige. Oups. Oula. Voilà, ça m'a coûté 2,78 € l'unité. Donc, j'en ai pris deux pour ma petite déco. Donc, ensuite, toujours pour la décoration de mon futur sapin, j'ai pris des boules qui se présentent comme ceci. Je vais vous la rapprocher. La rapprocher. Donc voilà, ce sont des boules blanches pour la décoration de mon sapin. Cette année, j'ai décidé que le sapin soit décoré en blanc, que du blanc et du blanc. Voilà, et ça, ça m'a coûté, je ne sais plus. Je pense que c'est ça, ce sont ces boules qui m'ont coûté 2,78 € apparemment. Par contre, les lumières LED, elles étaient, ah oui, les boules, les précédentes boules, elles étaient à 1,95 € l'unité. J'ai trouvé des guirlandes plumes qui se présentent comme ceci. Du coup, j'en ai pris 5, je crois. Oui, j'en ai pris 5 et la guirlande était à 2,79 €. Voilà, j'en ai pris 5. Pour 2,79 € l'unité, je me suis dit, why not? C'était tout pour ce petit haul Action. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonnez-vous. À bientôt.